Oui, re tout le monde. Re ou bonsoir, si vous arrivez. Alors on va partir dans la quatrième et dernière partie de Sky Hill pour ce soir. Voilà, là on est en mode facile, on progresse à mort dans les niveaux. Donc pour rappel, hein, pour ceux qui découvrent le jeu en même temps, donc on est enfermé. Enfin, il y a une attaque bactériologique, le monde s'est transformé en zombie et nous on est à l'étage 100 de notre hôtel et le but c'est d'arriver à l'étage 0. Voilà. Donc on a essayé pendant deux VOD en mode normal, on s'est fait défoncer à l'étage 80 et à l'étage 60. Donc là pour ces deux dernières vidéos, on met en mode facile, on essaye de tracer à travers tout. Et honnêtement, c'est quand même beaucoup plus facile en mode facile. Eh ben oui. Allez, on est parti. Donc, on est en jeu. On a 62 bouffe, 62 de santé. Est-ce qu'on peut craft des choses de bouffe? Non, on peut rien crafter en bouffe. Bon, tant pis. C'est parti. Reprenons. Donc, on est donc à l'étage 61. Donc, lui, on a vu que c'était un gros port là qu'on va pas y aller. Là, on va pas y aller non plus. Là, le but, c'est de descendre. Hein. C'est de descendre. On va essayer de ne pas trop affronter. Putain, j'ai raté. Je dis, on va essayer de ne pas trop affronter, du coup, j'affronte. Mais bon, c'est pas grave. Et j'ai oublié de prendre ma scie. Allez, tape à la scie. On rate. Génial. Oh, du fromage. J'ai mangé mon pain. Eh ben oui, j'ai mangé mon pain. Évidemment. J'avais faim, j'ai mangé du pain. Bah go, hein, on va devoir aller affronter celui... Je te hais! Oh putain, il fait 9 points de dégâts. Allez, nous on y va par 11 points de dégâts, c'est bien, ça fait mal. Et tiens, allez, oh merde, j'allais dire meurs. Voilà, meurs. Et une pièce. Toujours ça de pris. Là, une viande crue. Eh bien, on va pouvoir aller cuire pour... Pour regagner de la vie, enfin non, de la bouffe. 23 points de vie. Ouais, allez, on prend la trousse de santé à plus 50. Scotch isolant. Est-ce que je peux crafter le scotch isolant? Alors, c'est dans autre. Scotch isolant, on peut le craft. Bon, allez, on remonte. Oh, c'est trop chiant pour remonter. Ah, putain, et... On est obligé d'être dans la chambre pour remonter. Et ce qu'il y a, c'est que... Ça va te servir absolument à rien. Bon, allez, on remonte. Du coup, là, on perd pas mal de bouffe pour crafter un truc. Et c'est parti pour la VIP. Mais du coup, on va craft, par la même occasion, la viande frite. Hein. Hop. Que l'on va manger, voilà. Et merci, Romintos, pour le... le follow et bonsoir. Bonsoir à toi. Donc on devait faire quoi? Ah oui, le scotch isolant. On fabrique le scotch isolant, voilà. Du coup, bah c'est bon, hein. Oui. Allez. Sorda. Hop. On retourne à l'étage. Retour à l'étage 61. Et du coup, là, on descend tout en bas. Allez, étage 55. On répare. On utilise le scotch isolant. Là-dedans, on a de la ferraille. C'est parfait. Là-dedans, on a rien du tout. Ça, c'est chiant. Étage 55. On n'a toujours pas d'ascenseur. Hein. Là, genre, on remonte. On perd 6 points de bouffe. Rien qu'à remonter dans notre chambre. Pour crafter un truc, hein. Donc, oh, j'ai pété la lampe. Vide. D'accord, on a allumé la télé. Très bien. Ça a permis d'éclairer. Bon, tant mieux. Des noisettes, cool. Du coca, et on n'a pas de monnaie. Ah, la noisette, c'est bien, on va pouvoir... Nice, on va pouvoir se faire une salade de fruits. Enfin une salade de fruits depuis le temps qu'on en rêvait. Trop nice.
Du coup, allez, buvons un petit peu de coca. Et on a l'ascenseur qui est juste là. Oh, oh, nice. Du coup, salade de fruits, on craft. Alors, est-ce qu'on peut craft autre chose? Non. Ici, ça ne sert à rien. Autre, on n'a pas besoin de l'autre pour le moment. Allez, je vais quand même essayer de faire un établi niveau 2 pour voir ce qu'il y a. Du coup, il nous faut un clou. Et pour faire un clou, il nous faut deux ferrailles. On a de quoi faire deux ferrailles. Donc, on fait un clou. Ici, on fait l'établi. Bricoler. Est-ce qu'on peut faire des armes? Oh putain! Ok, on peut faire des armes supplémentaires. Donc il nous faut un clou et une hachette. Et là, il faut une machette. Ah ouais, mais dextérité 13. Oh là là. Une épaissie. Genre, ouais, je viens ici à l'épaissie. Ouais, d'accord. Et donc, il faut une machette. Et pour faire la machette, il faut... Il faut la loot. Ah non, la machette est là. Non, là, c'est un tantôt. Donc, ok. Donc, la machette, faut la loot. Alors, le sécateur, on n'a pas les compétences. L'épaissie. Ah, donc, ça, soit on a une machette, soit on fait un clou et une hachette. Alors, pour faire la hachette, il faut du scotch, un morceau de bois et une lame. Bon, on a... Le scotch, et... le scotch on peut le faire, la lame aussi, mais le morceau de bois on l'a pas et ça il faut le loot. Ça c'est chiant. Juste comme ça, la scie de base elle fait 6 à 9. Donc en fait il faut craft tous les trucs qui font plus que 6 à 9. Du coup par exemple, le tonfa de 7 à 11. Mais il faut de la colle, putain, de la colle et du scotch isolant. Alors... pour faire le scotch isolant, il faut de la colle, donc il faut deux trucs de colle. Et on n'en a pas du tout. Bon, ça c'est chiant. Le scier, il faut trois stylets et un filet électrique. Alors, le stylet. Là commence le théoricraft relou. Il faut... Il en faut trois, hein. Donc il faut trois clous. Pour faire trois clous, il faut six morceaux de ferraille, donc ça c'est pas possible. Donc là c'est bien parce que tu as plein de trucs à faire, mais tu peux rien faire en fait. Une faux. Allez, il faut une faucille, une serpillère, un scotch. En gros, on peut rien faire pour le moment quoi. Ah si. Ah non, bah non, 6 à 13, mais on n'a pas assez de speed. Dextérité, ça sert à rien. C'est dommage, le sei était prometteur. Oh là, 11 à 12, le copèche. Pique à bétail, ouais, laisse tomber, 1 à 24, soit tu fais beaucoup de dégâts, soit tu fais 0. Tantôt, non, 7 à 13, en fait, 7 à 8, 4 à 17. Donc c'est plus que 7 à 8, mais là 11 à 12 c'est bien, il faut juste une lame. Ça c'est parfait, pour faire la lame on peut la faire, on bricole, paf, on a notre lame, du coup on peut faire notre... J'ai perdu. Là? Non. Elle est où? Elle est où? Là. Il fallait un morceau de ferraille. Une blague. Est-ce qu'on peut craft un morceau de ferraille? Non, ben non, on peut pas craft un morceau de ferraille. Oh là là, c'est trop chiant. Putain. On était presque... on allait pouvoir faire... Le copèche, ben non, ben non. Du coup, tant pis. Hein. Du coup, mange ton fromage et mange ta salade de fruits. Prends ça et retourne à l'étage 51. Et ben, on va chercher de la ferraille. Allez, prends ta scie et tape avec la scie. C'est bien, on aurait de la farine. Ça, c'est cool. J'ai mangé mon fromage pour faire du... Générateur, voilà. Le générateur, c'est pas la peine d'essayer de le craft. Autant essayer de le réparer manuellement. Encore un pied de biche, c'est cool. Là, y a rien dedans. Et là, y a de la ferraille. Et du sucre. Nice, de la ferraille. De la ferraille, mes amis. Vous savez ce que ça veut dire, de la ferraille? On va pouvoir se faire un copèche bricolé. Et là, on fait 16 à 17 points de dégâts. Autrement dit, on les défonce. En gros, là, presque tous les mobs des premiers niveaux ont les OS. Donc c'est cool. Ah, c'est bien ça.
Chaque niveau de cuisine. Alors, pour faire ça, il faut un fil électrique et des clous. Le fil électrique, c'est une ferraille. Oh, c'est chiant. Et le clou, c'est trois, c'est deux. Donc, si on trouve trois ferrailles, on peut améliorer notre cuisine au niveau supérieur. Pour ça, il faut trois ferrailles. Et niveau 47. Allez, et plus que deux ferrailles à trouver. Des chiffons, de la nourriture pour animaux. Alors, ça, c'est. Excusez-moi. De la nourriture pour animaux, c'est génial parce que justement, on peut la bouffer, la nourriture pour animaux. Et oui, elle redonne 20 points de bouffe. C'est bien. Ah, on rate le coup. Oh, c'est bête. On prend 12 points de dégâts dans la gueule là. Moins 12. Oh, c'est une blague. Elle meurt. Un 9. Merci. On a de l'eau. Ah, on n'a pas d'eau. Pourquoi est-ce que je continue? Au début, j'étais juste venu chercher quelques boîtes de conserve pour tenir un soir de plus dans ces ruines. Mais quand deux monstruosités ont décidé de s'installer pile devant l'entrée, j'ai dû passer la nuit ici. J'étais curieux, alors j'ai décidé de grimper dans les étages. Et puis je me suis retrouvé de plus en plus haut. Curieusement, les anciens occupants des chambres n'avaient pas l'air de chercher à me faire des ennuis. Je pouvais les entendre grogner derrière les portes. Quelque chose m'appelle, me pousse à monter. Je crois que je perds la raison. Non, ça va, t'inquiète. C'est juste normal quand t'affrontes des zombies, à un moment tu pètes un câble, mais t'en fais pas. Allez, moins 17. Putain, on les OS presque, hein. C'est... Encore un petit peu de force, je pense, et on les OS. Générateur, c'est pas la peine, hein, le générateur. Non, lui, il est relou, on l'affronte pas. Vide, un petit peu d'alcool, c'est bien. Enfin, c'est bien, sans parler. Plus qu'une ferraille. Attention, plus qu'une ferraille, on a la cuisine niveau 3. Allez, 30 points de vie, on y va. Voilà, 3 coups, il sera mort. Sauf si on fait un coup critique. Ah, dommage, on aura pas fait un coup critique. Donc, en 3 coups. Vide, un peu de sucre, des antibiotiques et de l'ail. Bien. Est-ce qu'on peut crafter un truc avec de l'ail? C'est un végétal. J'allais dire, c'est un végétal, c'est bon. Mais il faut qu'on trouve le poisson. Évidemment. Et là, pour de la soupe de légumes, il faut de l'eau. Bah oui. Donc, soit de la soupe, de légumes. Donc. Et voilà notre ferraille. Oh, on a notre cuisine niveau 3. C'est parfait. Allons-y, VIP. Tac, cuisine niveau 3. Hop, pour ça, il faut le fil électrique. Donc, le fil électrique, tac, bricolé. Le clou, bricolé. Sud VIP, cuisine niveau 3. Très nice. Et du coup, nourriture, on a masse trucs qu'on peut crafter dans tous les sens. On a de la sucrerie. Il regène 70 points de bouffe. Et il faut le poisson et la viande crue. C'est genre, ouais, tu regagnes masse, mais... oh putain, si on a de l'eau, on peut refaire un bouillon de viande, quoi. Avec de la nourriture pour animaux. Putain. On peut faire un hamburger. Oh. Mais bon, faut du pain, de la viande frite et du fromage. Achève quoi, c'est marrant parce qu'il nous reste toujours des trucs. Regardez, il nous reste toujours des trucs à craft là, ici. C'est marrant. Genre, t'as quand même t'as ta cuisine niveau 3, mais tu peux pas tout craft quoi. Là, ok, très bien. Allez, les périmés, on le boit. Nice. La fin de 6, la cerise pourrie, on prend toujours pas de dégâts. Et la pomme pour et la poire pourrie, ok, on a pris du dégât. relou. En soi, on peut craft un truc. Ah, il nous manque des antidouleurs. Si on craft des antidouleurs, on n'aura plus l'alcool qui est ici. Ouais, mais faisons l'antidouleur. Voilà. Allez, étage 42. Donc lui, il est relou. Du lait périmé. De l'enregistrement de cartes sans pile. De cartes d'accès sans pile. À quoi ça sert? Ok, on a une pile, très bien. Genre, à quoi ça sert? Y'a pas de pile, et tu lootes une pile. Ok. Alors là-bas, c'est vide.
Là, c'est vide aussi. Oh là là. Étage 40, mesdames et messieurs. Le câble. Est-ce qu'on peut le craft, le câble? Autre câble. On peut pas. Trop chiant. Il a perdu des chiffons. Et voilà. Bien. Alors. It is destiny. C'est le destin. J'ai vu Nikki en rêve la nuit dernière. Elle m'appelait. Elle criait que je devrais venir l'aider. Elle me disait de montrer ou de descendre. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté dans ce gratte-ciel et que je ne savais plus si je devais monter ou descendre. Mes yeux n'arrivaient plus à lire les numéros sur les portes et j'irais comme un infecté à travers les couloirs et les chambres abandonnées en combattant la faune locale pour des conserves périmées. Dernièrement, je me suis vu dans un miroir crasseux dans l'une des chambres, une belle pitoyable, couverte de sang, avec une lueur de folie dans le regard. Guère mieux qu'un mutant. Mais si, c'était mieux qu'un mutant, t'as des antibiotiques. Et de la colle. Et du poisson. Et du poisson. Du poisson. Et du poisson. On peut faire un fish and chip. Ah putain, plus qu'une viande crue. Il faut quoi ? Faut qu'on trouve une viande crue et on va pouvoir se faire une sucrerie de malade. On va pouvoir regagner 70 points de bouffe. La viande crue, la viande crue, la viande crue, vide, vide. Carte d'accès, morceau de bois, c'est de la merde. La viande crue. Le piaf qui passe par la fenêtre. Putain, la viande crue. Genre le piaf qui passe par la fenêtre qui donne la viande crue pile quand on en a besoin. Oh là 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 là. VIP, on se fait notre sucrerie. Oh, trop génial. Est-ce qu'on peut se faire un hamburger, ceci dit? Regarde. Ah non, on peut pas faire de pain. Ouais, non, j'allais dire... Alors, on peut se faire... Ah non, on peut se faire la viande frite, mais c'est tout. Du coup, sucrerie. Bah oui. Et bim, un fish and chip. Bah oui. Évidemment. Tout pour regagner de la santé. Allez, bim. On est à 100% de faim. C'est nice. Par contre, la santé, elle va un peu moins bien. Là, on a pris un peu cher. On a toujours un kit qui nous régène 100% de points de vie. Est-ce qu'on le prend ou on le prend pas? Ah, j'hésite, hein. J'hésite. Bon, allez, on va le prendre. On a utilisé notre cartouche de 100 points de vie. Plus que 36 étages à descendre. Vide. Une scie, ok. Ouais. Ok. Pardon. 30 points de vie. Meurs. Moins 18 points de vie en plus critique, quoi. En plus, il rate. Allez, bim. On gagne une pièce. Et on gagne une trousse de soins. Salut! Don Diego 29, bonsoir à toi. Hello, hello, bienvenue sur le stream. Quand je sortirai d'ici, condition d'arriver à sortir. Oui, tu feras quoi si t'arrives à sortir? Tant pis. Alors, réparer, engrenage, on s'en fout, on répare, voilà. Mes efforts m'ont récompensé. De l'eau, merci. Et avec l'eau, on va pouvoir craft quelque chose, non? Il me semble. Du pain. Du pain, du pain, du pain. Ah, on n'a rien d'autre. Ou un œuf dur. On gagne 22 points de faim ou 15. On va faire un œuf dur. Hein. Enfin, on va remonter un petit peu plus tard dans la chambre VIP. On va se faire un œuf dur. Clairement. Oh, une faucille. Oh, genre. Ferraille, bandage, viande pourrie, une pièce. Genre, une faucille. Genre, très bien. Genre, t'as besoin d'une faucille pour te faire une faux. Genre le truc, t'es là, putain, il faut que je crafte 15 milliards de trucs. J'avais une serpillière. Ah oui, non, j'avais une serpillière dans ma run en mode normal où je me suis fait tuer. Ah, oh, je peux... Est-ce que je pourrais pas me faire une faux, justement? Ah ah! Donc, de passer de 11 à 12 à 13 à 16. Pas mal de dégâts en plus. Donc, est-ce que je peux craft une serpillière? Je peux craft une serpillière. Eh ben, vous savez quoi? On va remonter dans la chambre. Voilà. VIP. Hop. Alors, craftons-nous la serpillière. Craftons-nous
le scotch isolant. Et du coup, en arme, on a une faux. Sauf qu'on... Putain de merde. On n'a pas de dextérité, on n'a pas de speed. Le gros con. Putain, on est loin d'avoir... Il faut 4 points de dextérité et 8 points de vitesse, quoi. Ça, j'aurais pas dû. Ah, c'est pas grave, ça fait toujours de la réserve. Oui, mais bon. Ah, ça, c'est chiant. Ah, là, t'es con. Ah, Méo, là. T'as foiré, Méo. Je suis deg. Bon, c'est pas grave. Non, attendez. Je peux craft de la bouffe. Hop, un petit œuf dur. Ouais. Bricoler. Hop, voilà. Allez, on redescend. Étage 31. Oh merde. On rate en plus. Allez, meurs. On n'aura pas tout exploré hein, de l'hôtel. C'est pas grave, le but c'est de sortir de l'hôtel. Ah putain, je rate mes coups quoi. Et 11. Allez, meurs. Voilà. Vide. Là, il n'y a rien, c'est vide aussi. Une brique, de l'eau, un marteau, du chocolat. Du chocolat. Genre, tu lootes du chocolat, ça te regagne 10 points de vie, 10 points de santé. Là, l'inventaire commence à être vraiment pas mal. Vide aussi, ok. Répare. Ah, et les engrenages, ça marche pas. Voilà. Une pièce. She's calling for elle appelle me. De plus en plus fort. Louder and louder. My ma chérie, dear, j'arriverai à I will break through to you. Attends-moi. Wait for me. Ouais. What the fuck? Oh putain. Oh. J'ai pris la sauce contre elle. J'ai perdu 30 points de vie d'un coup quoi. Bonjour. Au revoir. Là les mobs ils commencent à être assez impressionnants. Hein. Petite trousse de soins. On va la prendre, hein, la petite trousse de soins. 30 points de santé, ouais, ça fait pas du mal. Non, au revoir. Là, de la farine, on a de l'eau. Ah, on a de l'eau, on va pouvoir se faire du pain. Si j'arrive à trouver où il est, voilà. On va pouvoir se faire du pain. Tant mieux. La tremblote. Stop, du calme. Respire. C'est pas grave, c'est juste les mêmes monstres que t'affrontes depuis tout à l'heure. Qui te flagelle. Je sais que t'aimes pas que d'être flagellé, mais... De la ferraille. Vide. Des cartes d'accès vierge, cool. Des antibiotiques. Là, c'est vide. Ici, de la colle. Et quoi? Un oignon pourri. Elle est cool, franchement. L'oignon pourri, quoi. 32 de faim. Je pense qu'on va commencer à manger des trucs pourris. Et voilà. Hein. Alors ici on a rien du tout. Et là, je peux pas cliquer là. Non, je peux pas. Ah trop chiant, je me casse. Alors le mob acrobatique là qui te tape 45 000 fois. Fil électrique. Merde. Putain, je voulais pas cliquer sur oui. Je voulais voir si je pouvais craft avant de cliquer. Oh merde. Tant pis. Là y a rien, là y a rien, j'ai perdu de la colle de toute manière. Pas super important la colle. Moins 11,8. Lui on l'affronte, c'est pas. C'est pas un mob qui est trop chiant, quoique. Quand il fait ça, il est chiant. On le fouille, on a une pièce de la ferraille. Et là, l'orange pourri. Alors où est l'ascenseur? Il reste 14 de faim. Ouais, on va remonter, on va se craft à manger. Plus que 25 étages à faire. Hein. On y est presque. On y est presque. Oui, oui, oui. Hop. Donc, on craft du pain. Bricolé. Avec ça, on peut rien faire d'autre. Ok. Bon, là, on n'a pas le choix. Il faut qu'on mange hein, des trucs pourris. 5 de faim. Allez, l'œuf dur, la viande pourrie. Oh putain, on a
on est en train de die. Prends la trousse de soins. Le lait périmé aussi. Bah oui, écoute, on n'a pas le choix. Hein. Et remange encore du pain. Voilà. On est à 93. En vie, on est à 53. C'est pas excellent, la vie. Heureusement, on a toujours le kit de survie. Vous êtes paré pour le long voyage jusqu'à la sortie. Vous avez largement de quoi vous remplir le ventre. Mais attention, une seule fois. On a toujours ce kit de survie. Donc, on est toujours bien pour le moment. Alors, 20 à 29. Ah, nice, on peut descendre directement au 23. Non, oh merde, on va devoir l'affronter. Oh putain, en plus on rate pas. Moins 25 en coup critique, bien. Moins 16. Ouais, oh, tu te... Oh, oh, elle va nous tuer. Non, rate. Oh non, oh non. Tu l'as. Oh, tu l'as. Vide. 35 PV qui nous reste. Gain de niveau. Précision, dextérité et de la force. Voilà. Là, je propose, on descend en ligne droite. Là, on... Non, allez. On va quand même explorer. C'est quand même un jeu d'exploration. On va peut-être trouver des trucs intéressants. L'engrenage. Alors, est-ce qu'on peut faire un engrenage ? Il faut un câble. Et pour faire un câble, il faut un fil électrique. Et pour faire un fil électrique, on peut faire le fil électrique. Eh ben, du coup, c'est bien. Allez. Il y a un problème. Allez, on prend l'étage 23. On peut le faire. Du coup... Donc, on disait, il faut un fil électrique. On bricole. Pour faire le fil électrique, il faut le câble. Pour faire le câble, il faut l'engrenage. Non, c'est un câble ou un engrenage qu'il faut ? J'ai oublié. Merde. C'est un engrenage. Putain, si c'est pas ça. Engrenage. Nice, c'était l'engrenage. Ouh. Oh, parfait. Le mec, il est content, quoi. Il croit qu'il a sauvé le monde alors qu'il a juste fait un engrenage. I have the same dream every time I fall asleep since I found myself in this damned hotel. Dans ce fichu hôtel. I live in a penthouse on the very top floor. Au tout dernier étage. It feels so real. Tout a l'air si réel. Everything around me is chaos. I survive. I kill. Et je me rue vers le bas, espérant y trouver la liberté. It's like another life. C'est comme une autre vie dans laquelle j'aurai encore un but, dans laquelle je n'entendrai pas les murmures de Mickey pour m'inciter de retourner au sommet. I'm coming for je vais you, te rejoindre, ma chérie. Just wait. Un peu de patience. It won't take long. Ce ne sera pas long. Ouais, ouais. Allez, là-dedans, il n'y a rien, là-dedans, il n'y a rien. Et là, il y a un tonfa. Alors, le tonfa, il fait 7 à 11 points de dégâts. Ah, il fait de 16 à 20. Comment dire, c'est bien ça, c'est cool. Parce que la plage maximum de dégâts est plus élevée, du coup c'est parfait. Ferraille antibiotique, oignon pourri évidemment. Allez, on va tout de suite voir ce que le tonfa va faire. Moins 12. Ok. Moins 11. Ouais, mais eux ils sont résistants en fait. Vide. Des chiffons. De la colle. De l'engrenage, c'est bien. De la colle. De chiffons. De l'engrenage. Parfait. On utilise la clé. Genre la clé qu'on avait depuis 15 ans. Ferraille et sucre. Ok. Là-dedans, antibiotiques. Et une brique. Tu sais pas pourquoi tu chopes une brique comme ça. Minute. J'ai entendu quelque chose. J'en suis sûr. Ouais, mais écoute, t'es mal en point, là. Y a rien pour faire du soin. Putain, j'ai rien pour soigner, quoi. J'ai pas d'alcool. Il me faut de l'alcool. Verrouillé. Il me faut une clé. Merde. Et là ? Ouais.
Il est content, il détruit des panneaux. Ouais. Là-dedans, y a rien. Du bois et un piment pourri. J'hésite à utiliser le kit de survie. En fait, je sais pas dans le kit de survie ce qu'il y a. Parce que s'il y a... Attendez, j'ai des bandages. Oh, nice. Ouh, j'ai des bandages. Je vais prendre deux antibiotiques aussi. Voilà, je remonte à 45 PV. Oh, j'ai bien fait. Allez, moins 19. Oh, je rate. Oh putain, quand je rate, elle me le fait... Quand je rate, elle me le fait payer, hein. Moins 13 points de vie. Je peux pas utiliser l'inventaire. Non. J'aurais dû utiliser le kit de survie. Putain. Oh, je suis deg, on était presque au bout, on avait presque réussi, il ne restait que 16 niveaux, quoi. Tant pis. Et menu principal. Et ben, voilà comment on va finir ce soir sur une belle mort, complètement useless. On avait looté un super truc, on a hésité à se soigner. Et ben, on aurait dû se soigner. Et puis voilà, fromage. Ça arrive, parfois on hésite à faire des trucs, on aurait dû les faire et je suis deg. Putain, j'étais presque arrivé au bout, on aurait presque pu voir ce qu'il y avait au bout de ce niveau de au rez-de-chaussée quoi. Mais vous le découvrirez par vous-même si jamais vous faites ce jeu. Voilà, jeu édité et développé par Daedalic. C'était Miojifo en direct. Comme à chaque soir, non, comme à chaque mardi soir. On se retrouve très bientôt pour un nouveau stream. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux sur facebook.com/meojifo, twitter.com/meo, youtube.com/c/meojifo. J'ai dit meojifo sur Twitter, non, c'est notre meo sur Twitter. Tous les boutons sont juste en dessous du stream ou dans la description de la vidéo. N'hésitez pas non plus à follow avec le petit bouton, le petit cœur là-bas pour savoir quand les streams commencent, quand ils commencent. En tout cas, on se dit à très bientôt pour une prochaine aventure. D'ici là, jouez bien, ne lâchez rien. Ciao, ciao.